up, gens d'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de Get of Actions. Et aujourd'hui les amis, je suis toujours accompagné de Shoops. Comment va-t-il mon ami Shoops? Ça va, tranquille. Aujourd'hui les amis, on se retrouve, on va décider. J'ai décidé de commencer l'épisode avec l'ouverture de Unkai's Golden et Unkai's Magic normal. Puis ensuite on va faire autre chose, mais c'est juste vraiment pour commencer l'épisode maintenant. J'ai envie d'ouvrir des cases aussi, donc voilà. On va commencer par la magie. Et puis on va avoir quoi? On a eu un livre PK. C'est bon, c'est bon. C'est bon, en vrai, c'est bien ça. On va ouvrir maintenant une golden. Ah, des œuvres de crime, ça ferait plaisir en salle. Et on a eu un livre PK. Donc on a eu deux livres PK dans le fond. Ça c'est bien parce qu'on pourra créer notre full PK. Ça c'est assez stylé. Au moins ça avance bien notre truc. Je vais les mettre dans l'under chest, c'est plus accessible facilement. J'ai aussi d'autres trucs dans ma banque. J'ai des pommes d'obsidienne, tout ça, on va enlever ça. Pour mettre ça là. Puis dans la banque, on va mettre genre rien. Parce qu'on s'en fout. Comme ça. Au pire, ouais. Au pire, je vais mettre les clés dans la banque parce que ça, c'est sûr que voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est quoi, Netherrack? Ok, il y a déjà le Nether d'activer. Ouais. Et l'End aussi. Ah, c'est cool ça. Il y a un gars qui veut screen. Screen pendant que je change de pack. Je vais changer de pack. Je vais mettre le rubis, tiens. And I'm trying. Voilà. Salut mon pote. Allez, à plus. Bon, donc je disais aussi, j'ai vendu des melons. Je suis à 800$. Comme c'est ici, comme vous pouvez voir, 800 balles. On va essayer de peut-être acheter des kits, buy kit. Peut-être acheter un kit. Peut-être acheter le minerai. Ouais, à 10 000. Ça, il nous manque encore un bon 9200, les amis. On lâche pas. Et puis voilà. So, on va continuer à avancer. Puis on vous reprend un peu plus tard quand on a avancé de beaucoup. A tout de suite. Yo, bon, on se reprend, les gars. Donc, au plan aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un peu vite fait. Mais là, je vais juste vous expliquer le planning. Donc, j'ai des spawners que j'ai acheté sur la boutique. Des spawners à Golem. Donc, j'ai un spawner à Golem. Puis un à Pig Zombie. So, vu qu'on a déjà un truc à squelette, on va s'occuper. Comment ça s'appelle? On va s'occuper du truc quoi. Du golem ici. Nos golems sont incassables. Même chose pour le squelette qui est là, il est incassable aussi. Mais celui-là, on pourra pas le récupérer si jamais on a un problème. Par exemple, mes deux golems plus mon piggy, je pourrais les récupérer. Ça c'est cool. Celui-là, je fais l'enclos dans le fond pour les golems. On va faire spawner les golems ici. Ils vont tomber en bas dans des hoopers. Dans la lave ou des hoopers ensuite. Enfin, vous comprenez le principe. So, je vais vous reprendre un peu plus tard. En fait, je vais juste vous dire ce que je fais. Je le fais, puis pour ça, je vous reprends quand c'est fait. Puis on va décorer ensemble, ben on va aménager quoi le spawner ensemble. So, là, ça c'est fait déjà, puis on se retrouve un peu plus tard. A tout de suite. Yup les gars, donc on est déjà avancé pas mal. Donc il y a Malfox qui fait des hoopers. Moi, je vais aller placer les spawners. So, je vais prendre les spawners. Ah non, je vais pas les placer tout de suite. Ils vont se commencer à spawn, il n'y a pas encore la lave. Donc ouais, je vais trouver un lac de lave. Comme il y en a un de vous qui a de la lave ou pas? Non. Ok. Ça, faut en trouver. Je vais prendre vite fait des squelettes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des os qui traînent. Quelqu'un a des os qui traînent. Ouais, tiens. On va faire des... T'as besoin de quoi, en fait? Bah, en fait, je vais juste faire pousser les trucs là qui sont pas encore poussés. Bah, attends, je vais m'en occuper. Ok. Prends ça, toi. Je vais chercher de la lave. Prends ça derrière, toi. Merci, mon beau. Ah, 28. Nickel. Je pense que je vais pouvoir terminer en plus avec ça. Peut-être pas. Ok, ça va être compliqué. Mais bon, on risque de réussir. Attends, je vais pas mettre la stone quand même, je suis pas con. Hop là. Quand même assez simple à crafter les hoopers quand t'arrives à les crafter, là, tu peux faire quand même des choses OP. Tac, 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 tac. Il te restait plus de fer, hein, Malfox? Il m'en reste 44. Ok, ben, j'ai encore besoin d'hoopers, so, en gros je vais éliminer un peu de fer après. So, ouais, comme je dis les amis, on va faire le... So, ensuite on va avoir pas mal d'argent, on pourra se faire pas mal de fer avec les hoopers, les trucs. En plus, comment ça s'appelle, les trapetchets sont pas encore ouverts en gros, on peut pas les utiliser encore. So, quand ils vont être ouverts, comme j'ai dit, comme vous voyez ici, on va mettre les coffres à la place de ça. Il y a Shoops qui fait des potions pour qu'on puisse être capable d'aller peut-être essayer de combattre quand on va aller claim les AP. Plus tard aujourd'hui. Et puis voilà, ça peut être assez intéressant ça. Ah shit, qu'est-ce que j'ai fait là comme merde. Juste comme ça.
Je te Voilà. dépose les haut-parleurs ici. Super. Oh shit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Merci. What? Il y en avait que deux, ok. Ah ouais. Je suis du bois. Faut que t'ailles chercher du bois parce que j'ai un homme à la surface, je peux aller en chercher si tu veux. Non, t'inquiète. Je vais aller voir d'abord au shop s'il y a des trucs. Ok, mais au pire, mine les trucs dans le mineshaft, on doit le casser de toute façon. Ouais, c'est Oh tout la éliminé. flemme. Ouais, mais il y en a quand même pas mal de bois au pire. Je vais le faire moi. Bon, je vais miner du bois, les gars, et on se retrouve après tout de suite. Ouais, finalement, je me suis retrouvé en train de trouver de la lave. En fait, j'ai trouvé une grotte avec de la lave un peu plus loin. Donc, je vais prendre la lave, en fait, les amis. Ça va aller plus vite. Comme ça, on aura déjà les seaux de lave qu'on a besoin. Enfin, on en aura besoin un peu plus, je crois. Je suis pas un pro de ça, mais je pense. Voilà. J'ai un petit crash, là. Comme ça, c'est bon. Voilà. Comme ça. Ça. Hop là. Et il y a de la lave, là. C'est super. Super, super, mon pote. Oh, ice sweet. Comme ça. Ah, de la redstone. C'est vraiment un bon pack, ça, pour le UHC, comme je disais, les gars. Malfoy, que je te le passerai après, c'est un fade, en gros. Ok. Genre, je crois que tu vas bien aimer. Et en plus, l'épée, elle est petite, elle est pas casse-couille. Attends, je vais faire un home, là. Set home love. LVA, je l'ai appelé. Slash heat. Good. Et puis y a pas d'autres lave, c'est tout. C'est good. Bon, à tout de suite. Ouais, les gars, je crois qu'il y a des petits lags en fait. J'essaie de poser de la lave, mais comme vous voyez, genre j'ai l'impression que ça marche pas trop trop. Mais bon, c'est pas tellement grave. On va quand même continuer à poser de la lave. Sur le but, c'est d'en mettre un peu partout, là, que toutes les places soient touchées par de la lave. On devrait sûrement remettre dans l'autre coin là-bas. Je vais me mettre un home ici. Ok, j'ai combien de home déjà? Del home. Spawner. Del home home. Del home là. Ah non, c'est vrai. Cet home là. Voilà. Donc j'ai toujours mon LVA. Ouais, voilà. On va aller chercher de la lave, les amis. Ce sera pas long. 5 sauts de lave, ça devrait nous aider à terminer. On va mettre dans l'autre coin là-bas, puis ça devrait être pas pire, je pense. Ça devrait être aux alentours de... Il y a des mini-lags, ouais. Putain, ça bug trop. Ouais, il y a un sale lag, là. Ouais. Je crois qu'il y a un putain de bug, en fait. Ouais, ça va crash, je crois. Ok, oh. Ben je vous reprends après tout de suite. Yop les amis, on se reprend, je suis en compagnie de Malfox, comment vas-tu? Bien et toi? Bien, 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 on se reprend aujourd'hui les amis dans le fond. Ben ça en fait, c'est le même épisode. En gros, on a terminé le truc à Iron, comme vous pouvez voir les Iron ils sont corrects, on a mis une petite vide pour pouvoir bien voir. J'avais mis de la vide finalement au squeletton, mais ça, en fait ça faisait plus des problèmes qu'autre chose. Et ça spawnait pas à cause de toutes les torches qu'il y a ici, ça faisait trop de lumière au spawner et celui-ci ne pouvait pas spawn. Donc finalement le spawner a un truc, on les a posés, je vais aller essayer de vous montrer par l'extérieur. Parce que si je l'ai fait par ici, ça va, il y aura un problème en fait, ça va casser et puis ça va casser les panneaux quoi. Donc, on va aller ici, ici, ici et puis c'est ici juste pour être sûr. Voilà, en gros deux spawners ici. Ils spawnent, il y a de la lave partout, pas de problème. Ils sont pas nécessairement centrés, mais l'important c'est que ça spawn quand même, quoi. Je pense que si on l'agrandit de 1 par là, ça va spawner plus, parce que je pense qu'il y a 3 de chaque côté, right? Et là, d'un côté, il y a 2. Mais je pense qu'on peut faire ça. GS take all. Ça dit quoi? C'est quoi? Attends, attends. Take all. Ça marche pas. Allez, salut. Je voulais les prendre pour les replacer, mais non, regardez, 3, 4, c'est bon, c'est bon, c'est pas si mal en fait.
Je sais pas pourquoi ça doit trop bugger le serveur, les amis, il y a des petits lags quoi. Ils sont encore en train de corriger, normal. Moi je comprends là, c'est-à-dire c'est quand même normal que ça lag un peu là, c'est un nouveau serveur et tout. Je vais jeter dans les fours, juste reboucher ça. Chercher ça, je suis niveau 28, on va sûrement aller enchanter. Il me faut juste du lapis dans le fond, que je trouve du lapis et puis on va être correct après. Parce que j'ai aucun lapis en ce moment. Voilà. Comme ça c'est fait. Après les champs sont rendus assez grands aussi. On a ça. On a réussi avec Malfox, on a à utiliser le market. Donc je vais vous montrer, on a utilisé quand même pas mal de trucs. On a vendu quand même pas mal de trucs. J'ai vendu ouais, pas mal de trucs. So Malfox il vend ses armures aussi, c'est très intéressant. Moi je vends ça. Malfox il vend aussi une clé, ça c'est quand même un bon achat qu'il a fait. Il s'est fait du profit dessus. Même chose ici, je vends de l'obsidienne et puis ah ben mon armure s'est refait acheter directement. Ça c'est cool, je vais aller au spawn justement, ben aller chercher quoi. Et je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Soit en même temps je vais prendre dans mon EC ça plus ça, voilà. Comme ça, et puis je vais aller au HDV qui est juste là. Pum, 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 pum. En gros vous devez cliquer ça ici pour récupérer l'argent. Là ça me dit inventaire plein, so, en gros je quitte ça. Et ça en gros, faut que je l'ouvre pour avoir l'argent ou pas? Non, ok. Bon voilà. Et là, je vais prendre ça. Et je vais prendre ça aussi. Et là, moi, ça va me donner... Voilà, mon sol est désormais de 1600. Donc, ça c'est cool. Là, vous pouvez jeter les livres, ça vous faites ce que vous voulez avec. Ça c'est pas... T'as une hache efficiency pour moi? Ouais, je sais quoi, attends. J'en ai une. Market create. Voilà. Et là j'en ai trop encore d'actifs mais bon. J'ai une hache mais c'est la seulement ma seule, c'est efficacité 4. Bah parce que moi j'ai le repair de toute façon si elle, si elle est prête à casser. Okay, okay. Ouais c'est juste que ok, c'est bon j'arrive à la base alors. Tu vas farmer quoi en gros? Ouais je vais farmer, okay, je vais me faire un peu dessus. Attends bah je vais aller je vais vendre quelques petits trucs et j'arrive. Je vais vendre genre ouais, le fer que j'ai et tout. Donc c'était ici qu'on me parlait tout à l'heure qu'il y avait des potions de hast. Ils vont faire des caotages ou quoi? Ok c'est bon mec, j'ai une potion de As 3. T'en veux? Mec, what? Ça doit être trop pire ça. Ben je l'ai acheté au shop. Ah ok ouais. Résistance. Ils vont faire des caotages ou pas sur le serveur? Y'en a déjà hein. Ah y'en a déjà, ok. Ouais, warp caotage si tu veux voir. Attends mec, j'ai une idée. On doit, attends pour le... On va garder cette potion là pour le prochain épisode. Rappelle moi qu'on a cette potion là quand même, ok? Viens ici que je le mâche. Et attends, ici y'a plus de... Tiens ici je te l'ai mis au bout de l'allée mec. Attends, ouais, faut pas qu'elle dispawn. Ouais faut pas qu'elle dispawn. Ouais attends, deux minutes. Tiens ça je te l'ai amené. Ah merci mec. J'aime tes vidéos, continue comme ça. Merci énormément mec, ça me fait énormément plaisir. Je vais retourner au stashback en fond. Je vais aller vendre des trucs, les melons. Et puis on va se quitter là dessus les amis, c'est pas vraiment intéressant mais... pas mal tout ce qu'on a... c'était pas mal ça, c'était de créer le... le truc quoi, le Iron Golem, le spawner Iron Golem, je pense que vous savez tous comment faire, donc j'avais pas vraiment besoin de vous montrer comment faire, à moins que si vous voulez, ben vous me le direz, et la prochaine fois je le ferai comme ça, comme vous voulez. C'est pas les Diamonds, c'est les Iron Lingo, c'est ça ici, 193, comme ça, et puis les melons, les blocs de melons, ici, c'est le coffre qu'il faut taper, 213, voilà. So, on s'est refait l'argent, le fond de notre potion nous a rien coûté avec tout ce qu'on a vendu dans les mains, on s'est même fait un petit peu d'argent. Le charbon, on peut-tu le vendre? Ouais, mais ça vaut rien, quoi. Ok, il y a des spawns. Rip. Ça, c'est bon. Ça, on peut faire les boutons. Ça, ok, c'est correct. Une pomme cheat encore qui me reste. Pomme cheat, on peut la mettre dans la note chest. On va la garder, la pomme cheat, ça peut être intéressant. Sachant qu'à 18h, il y a les enclumes des AP, so, on va essayer de rec cette partie-là, essayer d'avoir un AP. J'essaie de vraiment tourner beaucoup d'épisodes, comme j'ai dit, parce que ben je suis pas là, je serai pas là de la semaine, et j'ai envie de vous sortir quand même une vidéo tous les jours. So, c'est pour ça que je tourne des vidéos d'avance, les amis. Vous avez compris, vous êtes pas cons, quoi. Donc voilà, la potion de régène, pas besoin. Et j'ai aussi acheté les bouteilles XP dans l'HDG, je l'ai peut-être pas dit, mais bon. Il me reste encore un spawner à Piggy, c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode de spawner à Piggy. On va même se faire ça, justement, maintenant dans le fond. C'est pour moi et Malfox, mais pour vous, à demain. So, voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous étiez des abonnés, vous venez de vous abonner. Donc, un gros merci à vous les amis. Et puis c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Malfox, quelque chose à dire? Au revoir. Parfait ça mon pote, je quitte là-dessus. Allez salut les gars.